Helicactus wagnerianus, cette espèce est originaire du nord-est du Mexique, de la région de Coahuila. En collection, elle peut se présenter solitaire, avec des côtes surmontées de jolis mamelons, qui en font une très belle espèce qui peut atteindre une dizaine de centimètres de hauteur sur 4 à 5 centimètres de diamètre. Au bout de 30 ans, elle n'est pas plus grande car elle se développe son mets et se sérifie sur sa base. Elle se développe aussi en sujet isolé ou en sujet prolifère, ce qui a pour avantage de cacher la sérification. Mais le plus intéressant, c'est sa floraison. Les boutons commencent à se développer dès les premiers jours du printemps. Et vu leur nombre, ils annoncent une très belle floraison. Chaque aréole qui va se développer donnera un bouton de fleurs. Et cela, toute la belle saison, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et les fruits seront, eux aussi, échelonnés toute la belle saison. Et tous les 15 jours, à 3 semaines, suivant le temps qu'il fait, les boutons se développent et on peut admirer pendant 2 à 3 jours cette superbe floraison qui s'ouvre le matin et se referme le soir. Ces fleurs, de 4 à 6 cm de diamètre, sont très lumineuses et plus il fait chaud, plus elles deviennent éblouissantes. Elle dure plusieurs jours et tout l'été, par intermittence, on peut les admirer. Et bien soignée, cette espèce peut vous récompenser jusqu'à 3 fleurs en même temps. Et cette floraison peut devenir superbe sur des vieilles souches prolifères. Et à partir du mois de juillet, en même temps que se développent les fleurs, on peut obtenir les premiers fruits. Cette espèce est autoféconde, on n'a pas besoin d'un deuxième pied pour obtenir des fruits avec de belles graines. Et ces graines, il faut les récolter dès que l'on voit le fruit se gonfler légèrement. Car cette plante, comme toutes les espèces de Telocactus, ont la particularité de développer deux glandes nectarifères qui attirent toutes les fourmis. Et les fourmis vous voleront toutes les graines et vous n'aurez qu'un fruit vide. Ces graines rondes assez grosses de 8 dixièmes de diamètre sont très nombreuses. Le semis de cette espèce ne pose aucun problème, les graines naissent facilement. Et avec le semis, vous vous apercevrez que cette espèce est légèrement variable.